Espace Entreprise, j'écoute. Bonjour monsieur, j'envisage de monter ma petite entreprise dans mon petit quartier avec mes petits moyens. Ah oui, comment s'appellera l'entreprise ? La grosse affaire. Très bien, avez-vous un business plan ? Oui, mais j'en parle pas, il est trop petit. Et tout de même, donnez-moi plus de détails. Alors, je veux faire du prêt-à-porter pour les pygmées. Ah, je vois, c'est pour ça que tout est petit chez vous. Oui. Ah, d'accord. Il y a des pygmées dans votre quartier ? Bah non. D'accord. Alors voici mon petit conseil. Oubliez les pygmées et voyez plus grand, madame. Ah, très bien. Bah, merci, Espace Entreprise. De rien. Au revoir. Qu'est-ce qu'ils ont à voir les choses en petit, ceux-là ? Espace Entreprise Virginie, à votre écoute, la vie est belle ? Oui, bonjour. Voilà, j'ai des problèmes avec ma secrétaire. Comment ça, monsieur ? Eh ben, elle n'imprime pas ce que je dis. Vous manquez sûrement de pédagogie. Pensez-vous ? Je lui explique en lui caressant le genou. Elle n'écoute pas. Après, une tape sur les fesses et elle part en courant. Oh, mais attendez, là, c'est du harcèlement, monsieur. Oh, mais pas du tout. C'est de la tendresse éducative. Mais non, ça marche pas avec elle. Mais changez de méthode, monsieur, hein. Elle peut vous attaquer au tribunal. Ah bon ? Ah bah ça, c'est pas bien, ça, hein. Ah bah non. Ah bah moi, je suis pour l'amitié rapprochée dans le travail. Mais vous me fatiguez, monsieur, changez de méthode. Ah bon ? Ah bah d'accord, j'ai compris. Dites-moi, et vous ? Vous faites quoi ce soir ? Bon, Espace Entreprise, j'écoute. Allô, oui, bonjour monsieur. Moi je voudrais ouvrir un bureau. Un bureau de quoi ? Ah bah ça, je sais pas. Mais alors moi j'adore les ambiances de bureau. Au revoir, madame. Et quand vous redescendrez, passez-moi un coup de fil. Ah bah d'accord. Espace Entreprise Virginie, à votre écoute, la vie est belle. Oui, bonjour, voilà. Alors, je voudrais un espace pour mettre 500 personnes. 500 personnes ? Gros projet, monsieur ! Oui, alors, un seul bureau suffira. Mais comment ça ? Voilà, voyez-vous, je fais du conseil aux chômeurs, voyez-vous. Mais je prends une personne par jour. Donc, 500 personnes pour 500 jours. Capito ? Ah, un petit bureau à gros passage alors. Voilà, nous comprenons. Vacances, ça qui est ouais. Là, on s'est bien compris. Allô, ne quittez pas. Oui, alors je vais voir ce que je peux faire, hein. Un peu de patience, je vous reprends tout de suite. Voilà. Ah non, non, monsieur, on ne traite pas ce genre de problème. Arrêtez tout. Nico est là et répond à tous vos problèmes. N'exagérez pas, Nicolas, vous pouvez pas tout résoudre. Mais si, regardez, j'ai la tenue. Ça fait pas tout la tenue. J'en ai un par exemple, là y a des problèmes de personnel. Pas de problème, on va demander à Super Florian. Je cherche 20 fabricants d'igloos. Ah oui, tant que ça. Je vais réfléchir. Et moi j'en ai un qui a perdu un gros client. Oh, un de perdu, 10 de retrouver. La seule façon de trouver, c'est de chercher. C'est tout ce que vous avez comme solution? Ben oui, Nico est là, Nico Superman, bientôt au cinéma. Il est vraiment perché, hein. Bon, à quelle heure vous redescendez, Nicolas? Vous avez des vœux à formuler. Vous avez raison. Revenons sur Terre. Je vous souhaite tous mes vœux de réussite et d'entrepreneuriat pour 2019.